ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est aux alentours du 15. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un haul de mode. Et oui, vous savez que c'est les hauls que je préfère vous filmer. Alors il s'agit d'un haul de mode. J'ai testé une marque que vous devez sûrement connaître, que vous avez sûrement même dû essayer. Moi, je n'avais jamais essayé. Donc c'est la marque Azos. J'espère que je le prononce pas mal. Et franchement, vous savez que je suis une Zara addict. Et ben maintenant, je suis une Azos addict. Réellement, j'adore cette marque. Ou alors j'ai eu de la chance et j'ai commandé que des choses vraiment bien. Mais franchement, tout ce que j'ai commandé, c'est juste magnifique. J'adore vraiment beaucoup. Donc, je vais vous présenter tout ça. Avant toute chose, je voulais vous dire que j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, à la fin de mes vidéos, de vous parler d'une youtubeuse. Et notamment d'une de ses vidéos. Tout simplement parce que je suis une youtubeuse qui regarde les autres youtubeuses et que je trouve ça bien aussi de partager avec vous et bien d'autres vidéos, parce que je suis certainement pas la seule à en faire. Je trouve que c'est bien aussi de parler des filles qui font d'autres vidéos, parce que je pense qu'il y a des vidéos qui peuvent nous plaire, nous émouvoir, nous être utiles. Et là, en l'occurrence aujourd'hui, je voulais vous parler d'une youtubeuse que j'ai découvert un peu par hasard et dont la vidéo m'a aidée. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, ça m'a aidé à faire le tri sur deux, trois petites choses. Donc, voilà, ce sera en fin généralement de vidéo, ou alors au cours de la vidéo, quand je suis en train de parler de quelque chose qui est en rapport, et je vous dirai, tiens, au fait, voilà, allez voir telle vidéo, je vous invite à aller voir telle vidéo, telle personne, etc. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'y aller, de ne pas y aller, d'aimer, de vous abonner, etc. Vous faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Je trouve que YouTube, c'est une plateforme où on peut partager des tas de choses. Moi, j'ai appris des tas de choses sur YouTube, notamment sur le maquillage, etc. Donc, je trouve ça un peu bête rester dans son petit coin là et de se dire « Ah non, moi, mes abonnés sont à moi. » Non, les abonnés, ils sont pas à vous. Les abonnés, ils sont à personne. Les abonnés, c'est des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent. C'est des gens qui mettent des commentaires, gentils, méchants, peu importe. Mais c'est des gens avant tout. Donc, moi, je le fais, je regarde des vidéos, je commente, je mets des pouces vers le haut. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous. Et donc, je vous ferai découvrir de nouvelles youtubeuses. Il n'y a pas de favoritisme, il y aura pas, c'est pas une question de taille, c'est pas parce que vous en aurez 10 d'abonnés que vous serez moins bien que quelqu'un qui en a 8000 ou quelqu'un qui en a 100 000. Ça n'a rien à voir, c'est une question de ce que, qui peut me plaire et ce que je peux penser qui peut plaire à mes abonnés également. Voilà, c'était une petite parenthèse et on commence tout de suite donc avec mes achats. Alors, en ce qui concerne Azos, tout simplement, j'ai commandé une première fois, j'ai reçu des choses que j'ai trouvées super, et ensuite je me suis dit recommande. Donc en fait, je vais vous montrer deux commandes, deux commandes de chez Azos. Alors, il y a deux choses que je ne vais pas vous montrer, tout simplement parce que ce sont mes cadeaux d'anniversaire. Et oui, la semaine prochaine, je fête mon anniversaire, je deviens grande à force. Et donc ce sont mes cadeaux d'anniversaire, je vais vous les faire passer comme ça, hop, vous n'allez pas beaucoup les voir, tout simplement parce que c'est le thème de ma prochaine vidéo et je vais vous présenter donc ces articles. Mais réellement, je ne me suis pas trompée sur mes cadeaux d'anniversaire, je les adore. Voilà, alors, il y a une pochette, hop là, mais c'est l'arrière, évidemment c'est pas l'avant. Donc c'est une pochette qui est magnifique, franchement, je l'ai achetée en promo. Ça n'a rien à voir avec les pochettes qu'on peut trouver sur AliExpress, parce que je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur les pochettes AliExpress. Je les ai toutes reçues, il manque encore des articles, mais j'ai tout reçu. Je peux vous assurer, ça n'a rien à voir. Et pourtant, j'ai reçu de belles pochettes de chez AliExpress. Mais là, c'est complètement différent. La finition et tout, c'est vraiment bien, mais vous verrez ça dans la prochaine, prochaine vidéo. Et hop, je l'enlève du centre. Oh, un petit habit rouge, mais là, c'est pareil, surprise, comme dirait Christina Cordula. Voilà, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Pareil, le vêtement que j'ai acheté, magnifique, c'est pile ma taille, ça tombe super bien, le tissu est magnifique et il m'a coûté de mémoire 55 €. Je trouve que c'était super beau. Voilà, alors maintenant on rentre dans le vif du sujet. Alors, j'ai commandé une robe bleue. Une robe bleue, voilà, tout simplement c'est une robe d'été. Alors on dirait que c'est un bleu dur ici, mais en fait c'est un bleu marine. C'est une robe, comme vous le voyez, qui se porte souvent, vous savez, aux épaules comme ça. Alors j'ai filmé tout à l'heure déjà les tenues, parce que vous savez que quand je vous filme des vidéos, j'aime bien vous montrer comment ça ressort à l'écran, parce que montrer comme ça, c'est pas évident. Voilà, je vous ai montré, j'ai essayé de prendre le plus de recul possible pour vous le montrer.
Voilà, vous m'excusez, je suis très très blanche, donc voilà, c'est comme ça. Donc c'est une petite robe bleue qui est donc un petit peu cintrée à la taille et qui part en évasé. Ça se porte comme ça, donc aux épaules dénudées. J'aime bien ce genre de robe parce que le tissu est fluide, le tissu est très sympa, et ça pour traîner ou pour aller à la plage, moi l'été j'adore. Donc j'en ai profité parce qu'elle coûtait une dizaine d'euros, je me suis dit ça vaut pas le coup de s'en priver. Ensuite, j'ai acheté cette robe qui est un petit peu rouge corail, qui a l'air de sortir orange à l'écran, en fait non. Pareil, c'est une maille qui est une maille, c'est pardon, c'est une matière qui est très très fluide, très agréable à porter. Franchement, elle coûtait une trentaine d'euros, il y a la même en plusieurs couleurs, je crois que la moins chère c'est la noire. J'aime beaucoup les épaulettes, enfin les manches plutôt, voilà, qui retombent sur les épaules, je trouve ça très joli. Il y a un joli décolleté, et ensuite la longueur est très bien. Maintenant sur le mannequin, ça faisait plus court, parce qu'elle était beaucoup plus grande. Moi je suis un bouchon, voilà, je fais 1m60, donc sur moi ça faisait un peu petit. Donc du coup, je pense que je vais aller la faire raccourcir. Maintenant, c'est le genre de robe qui est très agréable l'été, très fluide. Elle tombe vraiment bien, elle fait habiller. Quand vous avez envie de faire habiller sans trop d'effort, vous mettez ce genre de vêtements, même avec des, je vais vous dire, hein, même avec des sandales ou même avec des ballerines, etc. C'est magnifique. Ensuite, là, c'est un achat que j'ai reçu de chez H&M. Je vous présente les choses dans l'ordre. Alors ça, c'est une jupe midi imitation cuir. J'ai essayé, comme j'ai pu, de la défroisser, mais elle résiste encore un petit peu. Donc voilà, jupe midi imitation cuir, elle est magnifique. Je l'ai payée une vingtaine d'euros, je crois. Elle était en promotion. Et là, c'est pareil, ça fait quelques temps que je l'ai reçue. Ça doit faire au moins 15 jours, 3 semaines. Mais je voulais vous présenter tout en même temps, donc j'ai attendu un petit peu. La matière est vraiment bien. Elle est souple. Les finitions sont bien. Il n'y a rien à redire. Ce dont moi je suis pas trop fan, c'est la grosse fermeture derrière. Je trouve que c'est un peu grossier. Mais hormis ça, voilà, hormis ça, je la trouve très jolie. Pour, je vous disais, pour une vingtaine d'euros, c'est très bien. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. Ensuite, on revient donc chez Azos. Là, on part sur des vêtements qui sont un peu plus habillés. Vous savez que moi, généralement, j'aime bien quand c'est très girly, très très habillé. Alors là, il s'agit d'un top très très habillé. Ça, je l'ai trouvé dans les promos. Hop, je vais essayer de vous cacher les petites ficelles qui aident à maintenir le top sur un cintre. Voilà, c'est un one shoulder, donc avec, comme vous pouvez le voir en bas, une jolie découpe basque, à basque plutôt, basque non. Et dessus, il y a un très gros nœud. Donc évidemment, c'est un haut de soirée. Maintenant, pour le prix, je me suis dit que ça valait pas la peine de s'en priver. Je l'ai payé 14 euros. Et là, pareil, franchement, la matière, les finitions, même le nœud en lui-même, hein, y a absolument rien à dire. C'est vraiment bien fait. 14 euros, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de s'en priver? Non, je vais vous dire pourquoi, à mon avis, ça vaut pas le coup, déjà par rapport au prix. Et ensuite, ça c'est le genre de haut habillé que des fois on va chercher, on va se dire, tiens, j'ai une soirée, j'ai un événement, j'ai peu importe quoi, on va se dire, j'ai rien à mettre, on va commencer à chercher, on va rien trouver. Alors que là, il m'est tombé dessus, je me suis dit, tiens, prends-le. Il est très joli, franchement, il est simple, il est sobre, il est chic. Moi, je n'ai rien de spécial à dire. Pour 14 euros, je me suis dit que ça valait pas du tout la peine de s'en priver. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des combi shorts. Alors là, je suis mes fans absolus. Je suis amoureuse de ces combi shorts. Ils sont juste sublimes. Voilà. Donc là, c'est un combi short à carreaux. Blanc à carreaux noir. Il est magnifique. La matière est très fluide. Voilà. Ça, l'hiver avec des collants noirs. Moi, je vous le montre avec... sans collant. Maintenant, ça c'est le genre d'article que je vais mettre avec des collants noirs. C'est vraiment vraiment beau. Je pense qu'en plus sur une fille qui a la peau mate, ou même les filles de peau noire, je pense que ça vous ira divinement bien. Moi je suis blanche, hein, donc ça peut encore aller. Mais je pense qu'à des filles qui sont beaucoup plus mates de peau que moi, voire vraiment noires de peau, je pense que le blanc c'est divin. Et c'est vraiment vraiment beau. Elle fait dans les 50 euros aussi. C'est magnifique. Ça fait très habillé. Ça peut être sport, hein. Je pense que ça, c'est le genre de vêtements que vous pouvez mettre également avec des baskets, même avec des bottes plates, etc. C'est très, très, très joli, réellement. Et j'aime beaucoup Azos parce que je trouve que les tissus sont beaux, les finitions sont jolies. On est sur les mêmes gammes de prix que Zara. Et là, on a des choses qu'on ne trouve pas en boutique.
Enfin, en tout cas, moi, en boutique, j'ai pas ce genre d'article. Et pourtant, je fais des magasins, hein, pas que Zara, j'en fais d'autres. Je trouve pas ça. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. Alors là, par contre, je vous en montre un autre. C'est mon coup de cœur, mais un truc de dingue. Voilà, ça, c'est un autre combi short à manches longues, mais avec, hop, des manches ouvertes, comme vous pouvez le voir ici. Le tissu est magnifique. Voilà, ça c'est pareil, pour moi ce sera l'hiver avec des collants noirs. Je m'excuse d'avance pour les essayages parce que évidemment je suis tellement blanche que ça ressort pas très bien. Et comme je disais précédemment, ça sur une fille qui a la peau mate ou sur une fille de peau noire, ça vous ira divinement bien les filles. Réellement, ça coûte une 60aine d'euros. C'est très beau, c'est très élégant. Ça c'est vraiment 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 très chic. Hein. Ça fait très très habillé. La longueur est très très bien. Moi franchement j'ai rien à redire, les finitions, la coupe, le tissu, je vous dis, hein, je suis vraiment devenue accro, je l'ai vue dans d'autres couleurs et je suis en train de me demander si je ne vais pas la commander dans une autre couleur, c'est pas tout à fait les mêmes manches, l'autre les manches sont fermées comme ça et c'est ouvert sur l'arrière, c'est-à-dire que ça reste ouvert mais sur le devant c'est fermé, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique, alors là c'est magnifique, je crois que vous l'aurez compris. Et pour finir, alors j'ai acheté une robe de soirée parce que quand j'ai commandé au mois d'août, donc ça devait être il y a à peu près 3 semaines, il restait encore des soldes. Donc je suis allée faire du tri, je suis allée regarder un petit peu, c'est là que j'ai trouvé le haut noir One Shoulder et j'ai trouvé cette robe de soirée. Et je me suis dit, ça, prends-la parce que c'est pareil, le jour où tu vas avoir besoin d'une robe de soirée, une robe de mariage, robe de cocktail, etc., tu ne la trouveras pas. Donc j'ai commandé cette robe qui est dans les couleurs lilas, on va dire, qui est magnifique. Elle est très, 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 très longue. Hein. Elle arrive au pied. Elle est superbe. Franchement, pareil, elle a coûté 16 euros. Donc là, elle était vraiment en promo. Elle a coûté 16 euros. Le tissu est vraiment beau. Franchement, hein, le tissu est vraiment beau. J'ai essayé de la repasser un maximum pour vous la montrer, pas trop froissée. Le tissu est beau, les finitions sont belles. Après, évidemment, il reste des petits fils. Alors, depuis hier, je les enlève. En fait, c'est les fils, vous savez, voilà, quand le vêtement est fini, il reste toujours des fils. Donc, depuis hier, je les enlève. Mais hormis ça, je vous dirai, il n'y a rien à dire. Ici, il y a une fente sur le côté. Ça donne un côté très glamour à la robe. Le bustier tient vraiment très, très bien. Le drapé sur le bustier est vraiment joli. Franchement, j'ai rien à dire quoi. C'est vraiment vraiment joli. Pour 16 euros, une robe de cocktail, une robe de mariage, une robe, ben, peu importe, ça vaut le coup. Moi je vous dis, franchement, ces derniers jours, je vais sur Azos, je regarde un petit peu ce qui est en promo, je le sauvegarde et je sais que dans quelques temps, je vais aller acheter des choses. Il y a plein de petites choses qui sont à 60 euros, qui tombent à 20 euros, 20, 30 euros en ce moment. Parce que c'est la fin de série, etc. Par contre, un conseil, si vous n'avez jamais acheté sur ce site, quand ils vous disent bientôt épuisé, c'est que c'est réellement bientôt épuisé. Parce que je sais que j'ai commandé donc la pochette noire que je n'ai pas trop voulu vous montrer. Il y avait marqué bientôt épuisé. Je me suis dit, oui, ça c'est à mon avis, c'est du marketing. Et en fait, pas du tout. En fait, je l'ai commandé. Et une fois que je l'ai eu commandé, c'était épuisé, réellement. Donc voilà. Et ensuite, j'ai commandé une pochette. Donc, une pochette aspect piton ici, aspect piton en bas, donc bimatière. Elle est vraiment magnifique. Je crois que je l'ai payée de mémoire, parce que ça fait 3 semaines maintenant. Je crois que je l'ai payée dans les 12 euros. Elle est très classe. Franchement, elle est très très classe. Voilà. Hop, à l'intérieur, j'enlève le papier. J'avais tout gardé pour vous le montrer. Voilà. À l'intérieur, il n'y a pas de poche. Non, il n'y a pas de poche à l'intérieur. Mais bon, l'intérieur est suffisamment grand pour y mettre les clés, le portable, etc. Les papiers, il n'y a pas de problème. Voilà, elle est très belle. Je l'ai payée 12 euros. Et c'est pareil, en ce moment, il y a pas mal de promotions sur les sacs. Ça vaut vraiment le coup. Je l'ai trouvée très jolie. Ça pour aller au restaurant, pour une soirée ou quoi que ce soit. Bon, évidemment, avec la... Voilà, avec l'étiquette en moins, ce sera plus joli. Mais je trouve que ça fera toujours son petit effet si vous êtes habillé tout en noir comme moi. Vous voyez, souvent je suis habillée en noir. Voilà, aujourd'hui, je mettrai ça avec. Ça ferait très bien. Ça sortirait très très bien. Donc, voilà, 12 euros. Ensuite, donc, je vais vous parler d'achats que j'ai fait chez Kiko. Je suis allée acheter un petit peu de cosmétiques. Donc, je vais vous montrer et je vais vous parler de mes achats. Alors, tout d'abord, j'ai commandé... Alors,
un article, pas commandé, pardon, j'ai acheté un article que j'adore chez Kiko. C'est l'éponge nettoyante en konjac. Si je me trompe pas, c'est d'origine japonaise. D'origine japonaise plutôt. C'est donc une éponge nettoyante à l'action purifiante 100% naturelle, issue de la racine de la plante japonaise, le konjac. Voilà. Donc ça, franchement, le soir, quand vous vous êtes démaquillé, etc., moi, je le prends sous la douche avec moi et je finis de me débarbouiller le visage. C'est vraiment le top. J'adore. Il faut la changer tous les 2-3 mois. Mais vraiment, c'est un bonheur de se nettoyer le visage avec ça. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça coûte dans les 6 euros. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. J'en achète tous les 2-3 mois. J'adore ça. Ensuite, j'ai acheté un nouveau vernis. J'avais envie de tester. C'est la fin de l'été, mais moi, même l'hiver, j'aime bien mettre ce genre de vernis parce que vous voyez, vous allez apprendre à me connaître, l'hiver, je suis souvent en noir. Je trouve que, effectivement, avoir du vernis de cette couleur-là aux ongles quand on est habillé en foncé, je trouve que ça met toujours un peu de gaieté. On garde généralement ce genre de couleur pour l'été. Je trouve ça dommage, je trouve que ça, l'hiver, c'est top. Voilà, alors ensuite, j'ai acheté, je l'ai ouvert tout à l'heure, un stylo, donc un gloss pour les lèvres roses. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce que c'est très clair, et moi j'ai la peau très claire. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça, c'est magique, j'adore, parce que la sensation sur les lèvres, il est très très... il est très doux, ça c'est génial. Autant des fois j'ai été déçue par Kiko, autant là, j'adore. Ça, c'est très très bon produit. Ensuite, j'ai acheté deux rouges à lèvres, ultra glossy. Donc j'ai acheté celui que je porte là à l'heure actuelle, qui est rose. Voilà, c'est celui que j'ai là. Il est magnifique, je l'adore. Il a une texture très agréable à porter. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. J'en ai acheté un autre, mais j'ai oublié de le prendre pour vous le montrer. Il est très bien, mais le problème, c'est qu'il y a des paillettes dedans. Donc, c'est plutôt pour les soirées. Et là, je suis moins fan. Mais c'est de ma faute, hein. j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté le kit contouring de Kiko. Alors je suis pas du tout une fan de contouring. Je suis pas fan du maquillage de Kim Kardashian, et pourtant Dieu sait que je l'aime beaucoup et je la trouve très très belle, mais je trouve que ça fait trop marqué. Par contre, je me disais, je vais essayer de m'y mettre, voir ce que ça donne. Maintenant, pour moi, ça c'est le genre de maquillage pour le soirée, hein. pas pour le jour, mais pourquoi pas. Donc ça se présente comme ça dans ce sachet, et ensuite donc vous avez, donc je l'ai pas essayé, hein. Vous avez donc l'highlighter ici. Et ensuite, vous avez le crayon bronzer ici. Vous voyez? Voilà. Ça se présente comme ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça coûte dans les presque 10 euros. J'avais envie de le tester. On verra bien. Il y a eu beaucoup de retours positifs sur ce produit. Donc, je le testerai et peut-être que je vous ferai même une vidéo là-dessus. Ensuite, j'ai acheté, alors ça j'adore, hein, tout simplement j'adore, une ombre à paupières en crème de chez Kiko. J'adore ces ombres à paupières. Elles sont bien pigmentées. Et là, j'ai pris une couleur, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, une couleur dorée. Je ne sais pas si on va le voir sur ma main, mais vous l'avez vu sur mon doigt. Une couleur dorée, ça, c'est des super produits de chez Kiko, j'adore, ça ne coûte pas cher. C'est vraiment, vraiment le top. Voilà, donc ça, c'était également mes petits achats concernant Kiko. Ensuite, je vous avais dit qu'en fin de vidéo, je vous parlerai d'une youtubeuse. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une youtubeuse qui s'appelle Sandrine Baiyao. J'espère que je ne dis pas mal son nom, que je le prononce pas mal. C'est une conseillère en images. Et moi, ce qui m'a plu chez elle, c'est surtout une vidéo qui parle de rouge à lèvres. Et notamment, quels sont les rouges à lèvres qui vous font les dents blanches ou pas. Et croyez-moi, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai fait le tri entre mes rouges à lèvres et j'ai compris pourquoi des fois je trouvais que j'avais les dents jaunes. Alors qu'en fait, j'ai pas les dents jaunes. Mais c'est vrai qu'il y a des rouges à lèvres qui vous font les dents plus jaunes que d'autres. Si vous regardez des fois dans mes vidéos, il y a des rouges à lèvres où j'ai les dents beaucoup plus jaunes que d'autres. Et bien tout simplement, c'est le rouge à lèvres. Voilà, donc je trouvais que cette vidéo était très utile. Donc je voulais vous en faire part, je vous mets le lien en barre d'infos, vous allez la voir, vous lui laissez un commentaire, je suis sûre que ça lui fera super plaisir. Et elle a sorti aussi une dernière vidéo il y a 3-4 jours je crois, peut-être un peu plus que ça maintenant, sur les tendances automne-hiver 2015-2016. Franchement la vidéo elle est super et ça vous donnera une idée des tendances concernant la mode cette saison. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je bafouille un peu, c'est la fin de journée, je suis fatiguée, excusez-moi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Donc je disais, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.